Avec des experts internes et externes. Donc, ce sont ces ateliers
que nous faisons régulièrement. Et puis, nous recevons aussi, dans le cadre de nos débats, la culture du débat en Guinée, c'est-à-dire favoriser les échanges directs entre les leaders et la communauté guinéenne de France. Donc, pour créer ce qu'on appelle la cohésion sociale durable. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons eu à recevoir la plupart des leaders politiques guinéens, de l'opposition comme de la majorité, l'objectif étant qu'on ne soit pas simplement avec ses partisans, mais qu'on soit avec tout le monde, discuter pour essayer de rapprocher des points de vue. Donc, nous avons, à la suite de ça, nous avons également des recommandations que nous faisons à travers ces différents débats et échanges. Donc, c'est depuis 13 ans que le club BNG existe. Donc, nous avons toujours essayé de garder, évidemment, notre indépendance vis-à-vis des différents acteurs, mais tout en favorisant la rencontre des idées, des échanges, etc. Donc, je ne vais pas être long, puisqu'on a pris pas mal de retard, mais je vais simplement présenter quelques membres du club qui sont ici dans la salle. Donc, nous avons Monsieur Irène Sori-Makanema, même si il nous apporte le soutien du Guépard dans le cadre de toutes nos activités. Donc, on verra qui est là, qui est secrétaire général du club. Nous avons, en commençant par à la gauche, Nabil Bamissouma, qui a été le premier président du club, qui est président d'honneur. Nous avons Mme Mamadi Bangora, qui est membre du club de la Guinée. Donc, vous avez à ma droite Aboubakar Foufana, qui est également membre du club. Nous avons M. Kassama, qui est membre d'honneur du club BLG, que vous connaissez, qui est vraiment infatigable militant pour la cause guinéenne. Nous avons M. Abbas Touré, qui est dans la salle, qui est membre du club. J'espère que je n'ai pas oublié les membres présents, donc évidemment, donc ceux qui sont, je ne vais pas citer donc les absents. Donc, nous allons commencer, mais comme vous le savez, traditionnellement, on présente notre invité, donc une présentation très rapide, puisqu'on avait pris un peu de retard, avant de lui donner la parole. Il présentera sa vision, ou la vision de ça. Donc il nous dira ce qu'il a envie de dire à la communauté guinéenne de France, et donc on aura ensuite les traditionnelles questions-réponses, vont durer environ 30 minutes. Comme vous savez, on a des contraintes administratives au niveau de la mairie, donc on ne pourra pas rallonger malheureusement le débat. Donc voilà. Donc sans tarder, je vais passer la parole à Mme Amadou Bakoura, qui va présenter le CV, et c'est Fofana qui va assurer la modération. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci, Monsieur le Président. Donc, sans plus tarder, évidemment, je vais vous présenter notre invité du jour, Son Excellence Monsieur Omar Kamara, qui est l'ambassadeur de la Guinée en France. Et cette présentation, elle ne sera pas exhaustive. Évidemment, je lirai en diagonale son CV, parce que c'est pour vous dire que c'est un parcours très long et très riche en expérience, donc je ne pourrai pas tout dérouler ici. Voilà. Donc, notre invité, Amara Kamara, est licencié en droit public en 1972. Il obtient un diplôme d'études supérieures en droit public en 1974 à l'Université Paris 1. Ensuite, son parcours professionnel débute en 1971 comme assistant-chef assistant-chef sur une section en transport et voyage. 1975-1980, il est chef d'unité de correspondance à l'UNESCO Paris, dans le cabinet de la direction générale chargée de la coopération extérieure. En 1980-81, il est administrateur de l'équipe des projets au sein de l'UNESCO Kinshasa Zaïre. Et en 1981-85, il est à nouveau à l'UNESCO Paris, où il a la charge d'administrateur des bourses. Il est chef de la section Afrique et Amérique latine. 85-90, il est à l'UNESCO Dakar en tant qu'administrateur du bureau régional pour l'éducation en Afrique. 95-2000, il est à nouveau à Paris, à l'UNESCO Paris, comme chef de division des ressources et des programmes extra-budgétaires. Des ressources et des programmes extra-budgétaires. En 2001-2002, il est à l'UNESCO à nouveau à Dakar, où il est directeur de Breda et chef de différentes sections
notamment la section d'éducation, politique et stratégie, éducative et coordonnateur des projets opérationnels. Donc, en 2003-2009, il est doyen des collèges des médiateurs et consultants de l'UNESCO, ce collège qui a la charge de régler des conflits entre le personnel et l'administration de l'UNESCO, et il est en charge aussi de 7 missions de consultation au sein de la même institution. Il est membre du conseil exécutif de l'UNESCO depuis novembre 2013 et depuis mars 2011, il est nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de la Guinée. Vous allez m'expliquer après ce que ça veut dire, parce que c'est ce que j'ai vu sur le CV, je ne sais pas la définition, donc vous allez me donner la définition plus tard. Voilà. Donc, voilà le parcours de notre invité, qui, je vous disais, n'est pas exhaustif, mais parce que, vous voyez bien vous-même que c'est un parcours assez riche. Bon, on a notre invité qui est quand même un homme engagé aussi sur le terrain, puisqu'il est le fondateur de l'association, il est fondateur de l'association de lutte contre la pauvreté, Cosimanca, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a comme slogan, c'est-à-dire réaliser chez soi ce qu'on on fait chez l'autre, c'est ça. Et bien entendu, il a d'autres projets qui sont soit en cours de réalisation ou en attente en tout cas. Et donc voilà, comme on voit, c'est un homme quand même qui est engagé aussi sur le plan associatif et très engagé. Donc l'un des projets en tout cas concerne l'éducation, la réalisation d'un centre socio-éducatif destiné aux enfants déshérités et un programme d'alphabétisation envers les jeunes. Voilà, je vous remercie. Et donc je vais passer la parole à notre président qui va donner l'ouverture de cette conférence. Merci. Donc, je vais juste passer la parole au modérateur qui va s'occuper de la gestion. Merci, M. Yabi. Merci, Mme Mangoula. Sans plus tarder, je pense que nous allons passer la parole à notre invité. Mais auparavant, je vous prierai de mettre en sourdine vos portables pour éviter tout dérangement. Et puis, nous attendons un débat pour toi, comme d'habitude. Hein. L'avantage d'une réunion comme celle d'aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas. Si on veut cela, et puis nous pouvons en tirer de valeur. Merci bien. La parole est à son excellence, M. Camara, Amar Camara. Merci beaucoup, merci. Chers compatriotes, chers amis de la Guinée, chers Roumains, mesdames et messieurs, le parcours qui vient d'être fait est un parcours d'exilé. La plupart du temps passé ici en France. Donc, c'est pour dire que je partage certaines de vos préoccupations en tant que membre actif de cette diaspora, issu de cette diaspora, échappé de cette diaspora. Je suis ravi aussi d'être avec vous, d'échanger avec la communauté, dire les choses comme elles sont. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas la langue de bois, des fois je n'ai même pas la langue diplomatique. Je partage des convictions et je ne transige pas sur ces convictions. Nous sommes un pays, on est réunis aujourd'hui pour réfléchir. Vous me réfléchissez, nous agissons. L'action que nous menons dans cette Guinée, pour la comprendre, il faut peut-être se dire où est-ce qu'on en était fin 2010. Si nous faisons ce vol rapide de notre pays, vous verrez que de 58 à 84, on a voulu former l'ordinaire. On a tenté une collectivisation qu'on a parlé ici. On a tenté l'homme qu'on a fabriqué. Si c'est le produit qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a réellement échoué. De 84 à 2008, on a fait une démocrature. Démocrature parce que et tous les ingrédients de la démocratie et le fond de la dictature, ça donne ceci, on fait les élections pour les gagner,
Et cela aussi, il faut le dire. On a une période assez curieuse qui va de 2008 à 2010, qui est un cauchemar pour un pays comme le nôtre. Un cauchemar dans le sens où en 2 ans, on a creusé le déficit budgétaire de 50 ans cumulés. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, il y avait cumulé plus de 1900 milliards de francs de déficit. Nous étions 3 milliards 400 millions en 2 ans. Ça veut dire la catastrophe qu'on a évitée, parce que ça n'a pas duré, ça n'a duré que 2 ans. Si ça avait duré 10 ans, je ne sais pas ce que vous en savez. Je ne dis pas ça pour faire une polémique, c'est pour planter un décor. Ce décor, malheureusement, les Guinéens, de l'intérieur et de l'extérieur de ça, c'est une catastrophe. On a un pays en ruine, avec les potentialités que nous avons, nous n'en avons rien fait. Rien, absolument rien. Dans l'indice du développement humain, nous sommes dans les parmi les derniers. Ce que nous avons, que Dieu nous a donné, qui, pour certains, est un scandale. Le scandale, c'est de n'en avoir rien fait. Nous avons des mines, les 2/3 de réserve mondiale de bauxite, que nous exportons à l'état brut depuis les années 60. Nous avons 20 milliards de francs de réserve de fer de très haute teneur. Aucune cargaison n'est sortie de la Guinée depuis 1958. Nous avons plus de 6 millions d'hectares de terres fertiles. Nous importons du riz pour notre alimentation. Nous avons des ressources humaines importantes, formées à l'extérieur. Je ne fais aucune comparaison entre ceux formés et ceux formés à l'extérieur. Je connais mieux aussi qui sont formés à l'extérieur. Et avec ce potentiel humain, nous sommes en mesure de nous passer de l'assistance extérieure. Nous sommes en mesure de conduire notre pays à une seule et unique condition. C'est de mettre la Guinée au-dessus d'un souci, d'un ferme premier souci, de dire que ce bien commun, ce bien précieux que nous avons, faire en sorte que tout ce qui concerne les intérêts de l'ensemble du pays, nous puissions parler d'une même et une seule voix, qu'on aille dans le même sens, si nous tirons dans le même sens, nous en sortirons. Parce que ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Les générations futures, nous ne pardonnerons jamais de passer en peul, en balayé, en sous et en forestier. Nous ne le pardonnerons pas parce qu'on aura échoué pour ça. Et la pauvreté, ce qui amène pas la simplification du débat, par toujours de la pauvreté intellectuelle. Nous avons un pays qui a connu des difficultés dans ce domaine-là. L'homme guinéen qu'on a formé, c'est tout. Il parle de tout. Il est spécialiste en tout. Il ne reconnaît jamais ses erreurs. Ne fait pas, ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Et comme il a la science infuse, il ne fait que, il n'y a pas d'erreur en erreur. La preuve, c'est notre système éducatif qui est passé par. Donc, cher ami, M. le Président, moi, vous êtes, nous sommes, je regrette, par contre, contrairement à vos modérateurs, plus on est nombreux, mieux c'est. Et c'est quelque chose qui me fracasse toujours quand vous êtes dans le camp social. Peut-être qu'il y a la qualité, mais j'aimerais aussi qu'il y ait le nombre. Si on avait commencé par une soirée d'ensemble, on serait pas ici. Et c'est dommage, parce que nous ne construirons pas notre pays en faisant des soirées, parce qu'on en a eu beaucoup. C'est en travaillant, c'est en échangeant, en apprenant l'un de l'autre. Dans cette diversité d'opinions, dans l'échange que nous pouvons avoir, que nous pouvons nous enrichir, cette différence de l'autre. Si on est absent, on se fera l'écho sûrement, parce que maintenant les moyens de communication sont tels que tout ce que je vais dire ici aujourd'hui sera sûr à l'instant même. Ce qui est une chance, parce que ça permet à d'autres de s'inspirer, et j'adore ça, de venir critiquer ce que j'ai dit, de débattre avec moi, et il n'y a pas de sujet tabou, je n'ai peur de. Une question que vous pouvez poser, peut-être mes réponses ne seront pas les mêmes, ce que vous savez quand vous attendez, mais ce sont mes réponses, mais je ne transigerai pas là-dessus. Donc, si nous pouvons passer à ce qui s'est fait depuis l'avènement du président de la République, le président Fontaine, nous sommes en fin 2010,
Elle a été investie le 21 décembre 2010. La situation économique, socio-économique de notre pays à l'époque est indescriptible. Pour les esprits cartésiens que vous êtes pour la plupart ici, ça ressemble à de l'aberration. Comment un fonctionnaire, un responsable politique, gouvernemental, comment un citoyen peut penser qu'à lui seul il peut priver l'ensemble de la population des ressources destinées à ce pays? Chacun, là où il était, a pris ce qu'il pouvait, a pris ce qu'il y avait. L'explication, c'est la mauvaise gouvernance. En fait, il n'y avait pas de gouvernance. Une administration de médiocrité, une administration de cupide, pour arriver à avoir une situation désastreuse où nous n'avons rien, où nous étions à peine à une semaine de liquidité au niveau des devises étrangères. On a des contrats miniers qui avaient été placés dans des conditions défavorables, et plus du 10 de ces contrats, c'est celui qu'on a avec Benistanès. Ou pour un investissement au grand mot, je ne dis pas au grand mot, au grand mot, de 163 millions de dollars, il a revendu la moitié, c'est-à-dire plus de 80 millions, à 2 milliards 300 millions sans un coup de pioche. Ceux qui ont fait ça n'ont même pas eu 10 millions de dollars. Ceux qui ont vendu ça n'ont pas eu 10 millions de dollars. Qui en a privé de 2 milliards 300 millions? C'est le peuple qui met sur la population. Ce sont nos frères et sœurs qui, dans les campagnes, vivent la misère. Nous vivons cette misère à côté de nos richesses, et ceux qui étaient en charge de faire de cette richesse quelque chose ont décidé, ont l'offert à leur unique profit. Ça a profité à qui? À personne. Parce que ces personnes, les responsables guinéens qui sont multimillionnaires aujourd'hui en Bela, ne pourront jamais justifier qu'ils l'ont eu de par eux-mêmes. On sait d'où ils l'ont pris, malheureusement. Comme on n'a pas remis en place un état de droit pour vaincre l'impunité, pour donner l'exemple, quand vous êtes intègre chez nous, on vous dit que vous êtes poli. Quand vous êtes intègre, on dit que vous êtes blanc. Quand vous êtes intègre, on dit que vous êtes communiste. Il faut être communiste, il faut être blanc, il faut être à la limite, bien qu'on m'a dit pour le faire. Mais nous le ferons. Ça n'a pas le choix. Parce que c'est, ce choix de vous, c'est criminel ce qui s'est passé dans ce pays. C'est criminel, il faut le savoir. Parce qu'on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Si vous prenez la religion, je vous dis les potentialités que nous avons. Au camp de nos voisins, là, à part Bissau, la Sierra Leone et le Libéria, nous sommes les derniers parmi ceux-ci. Le Mali, un pays aride, le Burkina, un pays aride, le Niger, un pays aride, le Sénégal, un pays aride, sont en avance sur nous. Et pendant ce temps, nous n'avons rien d'autre que de parler, de critiquer, de faire en sorte que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas aussi? On avait des programmes qui étaient prévus pour le pays de l'ONAC. Il fallait qu'on réussisse la réforme politique, la réforme économique, pour bénéficier de ce programme. Impossible, nos propres amis ne voulaient pas qu'on aille aux élections législatives, sans compter les adversaires politiques, qui savaient qu'en faisant les élections législatives, en installant une Assemblée nationale, les 10e et 11e fêtes auraient été débloqués. 10e et 11e fêtes pour qui? Les infrastructures. Plus de 263 km de Conakry à Mamou, deux fois deux fois, c'est pour qui? C'est pour la Kakwande? C'est pour les Guinéens? On a refusé, on a mis les pieds dessus. C'est ça la réalité de notre pays. Donc, quand vous allez dans un système comme celui-là, que le plus petit fonctionnaire peut bloquer un contrat parce qu'il faut qu'il ait sa part là-dedans. Quand on a cultivé ça pendant 50 ans, on ne peut pas demander à quelqu'un 3 ans de faire ce qu'ils n'ont pas fait en 52 ans. Ceci, c'est la réalité de ce pays-là. Les principaux responsables politiques de notre pays aujourd'hui ont été mêlés à la gestion. Ils parlent d'électricité, ils parlent de route, ils parlent d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont laissé en héritage? Rien. Est-ce qu'ils sont pauvres? Non. Il y en a qui sont même les principaux investisseurs dans certains pays voisins.
D'autres sont dans les avions tous les jours, les appartements ici, entretiennent un facho. Nous l'ont-ils pris de notre pays. Ce pays-là, faisons en sorte qu'il soit autrement. Donc c'est en ça, et c'est pour ça que des réformes ont été faites. Dans le domaine économique, à part le guichet unique, ce domaine économique, pour ceux qui connaissent la Guinée, nous avons réussi aux alentours du 10e programme d'ajustement. Tous ont échoué. Alors, tous. Pour arriver à la réflexion, à l'achèvement, au point d'achèvement depuis. Le PPP, nous l'avons réussi 16 mois. Nous sommes passés de 13% à 2% du déficit budgétaire en 16 mois. La Grèce ne l'a pas encore réussi, malgré l'injection de sécurité. Nous n'avons pas eu ça. Nous avons été élus dans les mêmes périodes que le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas de la diplomatie que je fais, je cite, mais ce sont des choses connues, ça n'a aucun secret. Depuis l'installation du président Ouattara, la Côte d'Ivoire a bénéficié de 400 millions d'euros de la France. Nous avons péniblement bénéficié de 5 millions. Donc l'effort, nous l'avons fait par nous-mêmes. Et pour vous dire, et ça va vous donner une indication, c'est que la bonne gouvernance pourrait nous permettre de ne pas avoir besoin d'un centime de l'extérieur, de ne pas être suivi à l'extérieur. Notre pays a cette chance-là. Mais à la condition que l'argent du pays aille au pays. Si chacun de nos gars s'en fait les poches, forcément, notre population européenne, le pays reste dans cet état-là. Et il y en a qui dorment tranquillement, en ayant fait ce qu'ils ont fait dans ce cas. Donc, au niveau économique, il y a eu un assainissement, il y a eu des guichets uniques, on a mis fin à la planche de billets, à l'importation par conteneur entier de faux billets, enrichissant certains qui sont connus. C'est ça la réalité. Vous avez un deuxième volet au niveau de préoccupation, c'était les mines. Je vous ai dit tout à l'heure que nos mines constituent notre principale richesse au niveau des ressources naturelles. Ça a été planté, mais la Philippe n'a pas de mine. Un des meilleurs, en tout temps, les pays en développement. Mais aussi, on a fait de la transparence. Tous les contrats miniers sont sur Internet. On peut les consulter à tout moment. Qui a pris quoi, vous pouvez le voir. Qui résonne en quoi, vous pouvez le voir. Et aussi, sur ce plan-là, on a créé une nécessité de patrimoine minier pour gérer notre patrimoine. Nous avons exigé et obtenu de faire le bas des actions des parts de la société. Rio Tinto, à partir de l'année prochaine, va investir près de 20 milliards de dollars au bout de la 4e année de travaux, quand ils commenceront à exploiter, nous exporterons environ 100 millions de tonnes de fer. Cette fer est d'une teneur telle, c'est une des plus hautes teneurs au monde. Ça va de 62 à 70 selon les zones. Et cette exploitation va durer 40 ans. Ça veut dire que pendant 40 ans, les générations futures, pour ceux qui sont là, nous, j'espère pour vous, mais moi je sais que vous ne serez pas là dans 40 ans, mais je me bats pour que cela existe pour mon pays, cela existe pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Il fallait le commencer, nous avons plus de 50 ans d'indépendance, si on avait commencé, on serait en train de ne pas être détruit aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Les conventions ont été ratifiées hier, qui nous donnent des participations. Il n'y a pas une seule région de Guinée où il n'y a pas de mine. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer. Et c'est tout ça qui. Donc, partir de ça pour faire une diversification de notre développement économique. C'est-à-dire, ce qu'on tire les ressources minières, les injecter dans les infrastructures, les injecter dans l'agriculture. Donc cela aussi, il fallait le réformer. Faire de notre plus de 6 millions d'hectares de terres fertiles, dont seulement 20% sont exploités en ce moment. Un grenier, je ne le répéterai jamais assez.
Les Français, avant l'indépendance, souhaitaient faire de notre pays le grenier de l'Union africaine en Afrique. Quand la France a su qu'elle allait perdre son cœur, elle a identifié la Guinée comme membre. Les camarades de 58 sont arrivés, on dit que tous ces gens-là ont dit qu'il ne fallait pas le faire. On a mis de côté. Résultat de l'opération, nous importons encore aujourd'hui 300 000 tonnes de riz, ce qui est une aberration totale. Donc, se battre pour la sous-assurance alimentaire, pour la sécurité alimentaire, c'est un des objectifs aussi. Les infrastructures hydroélectriques, à Oni et Tracondé, avaient prévu d'avoir le courant en 6 mois. Ceux qui le disent, ils sont en 6 bonnes fois. Je ne regarde même pas à côté des pays soi-disant en avance, qui ont fait ce programme-là en Angleterre et qui ont malgré tous les problèmes d'électricité. Je me suis permis de poser la question à un responsable du MEDEF, le patronat français. Chargé, j'aimerais comprendre pourquoi le plus petit village européen a l'électricité 24 heures sur 24 et partout. Et nous, au bout de 50 ans, on y arrive. Il y a quelque chose qui choque la langue et on est allé. Pourquoi? Parce que c'est l'adéquation entre les possibilités et les moyens dont nous disposons. Il fallait des investissements lourds, mais il fallait surtout un choix politique. Nous avons les principaux fleuves ouest-africains dans la Sous-Saharan. Nous avons plus de 1000 rivières et cours d'eau. Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons avoir de l'hydroélectrique. Nous pouvons développer ça, c'est en ça que Caleta, qui va démarrer l'année prochaine, j'espère. Soit Piti et Fobi, qui sont en cours et très avancés. Pour mettre fin à cette pénurie d'électricité, et nous pourrions même, si les choses vont à l'état, exporter vers les pays voisins l'électricité. On a les infrastructures routières, je vous ai parlé tout à l'heure du fait, mais il y a des investissements qui sont faits par le gouvernement, puisque la plupart de ce que nous faisons, quand nous n'avons pas les financements extérieurs, nous y consacrons nos ressources qui vont plus dans les poches. Donc, il y a quelques tronçons qui sont en cours de réalisation. Et c'est une priorité, on ne peut pas produire si on ne peut pas dégager des zones de production. Pour la même zone de consommation. Vous avez la réforme de l'armée, ceux qui vivaient en Guinée ou qui y allaient. Vous avez l'habitude de voir des tanks, des militaires, des gens armés dans l'armée. Vous les avez en caserne. Reformer une bonne partie des militaires, parce qu'on avait des effectifs, comme vous le savez. Notre administration libre est effectif. Vous avez des effectifs dans la fonction publique, des effectifs dans l'armée, des effectifs boursiers qu'il fallait corriger. Et ceux qui crient au loup aujourd'hui sont les principaux responsables de ça. C'est eux qui ont fait ça. Et donc, faire des tirants, parce que les faux boursiers, quand il y a des faux boursiers, ici, vous avez des enfants méritants. Qui demandait pas mieux que d'avoir le strict minimum pour leur permettre de ne pas travailler, de ne pas de manger pour aller à leur cours. On les prive pour donner à des gens qui ont les moyens et qui se mettent dans les poches. Et c'était encouragé par ceux qui crient aujourd'hui. C'était eux les principaux responsables, les premiers ministres ou ministres. Pour mettre fin à des pratiques comme ça, il faut se battre sur tous les plans. Donc, ces réformes-là également sont en cours. Maintenant, il faut que je félicite nos associations de France qui se sont mobilisées contre la fièvre Ebola. Mais ça m'a laissé un goût amer de devoir assister par-ci, par-là, à des regroupements, des associations, des ceci, des autres, cela, alors que nous aurions pu le faire ensemble. L'unité d'action, en dépit de tout le clivage politique, on peut penser ce qu'on veut l'un de l'autre. Et faisons en sorte que quand il s'agit de la Guinée, de nous mettre ensemble pour faire. Puis on sera ensemble, bien ce soir. On n'a pas fait. Monsieur le Président, je vous remercie, Jean-Philippe.
pour lancer un appel à toutes les associations guinéennes, où qu'elles soient, de se retrouver dans un seul et unique cadre. La CAGF a été créée à cette fin. Il n'y a pas de politique, vous pouvez venir avec vos ambitions, vos convictions politiques. Vous partagez ensemble ce que vous avez en commun. Faire quelque chose pour le pays. Moi, je vais vous le dire, je suis un idéaliste. J'ai rêvé d'un mécanisme, et comme toute question, si vous pouvez pousser l'argent plus loin, je demandais à nos sages des quatre régions. Les quatre régions naturelles de la Guinée, je demandais à nos sages de créer un mécanisme de consultation permanente. Qu'elles se voient, se parlent quand il s'agit de l'intérêt de notre pays. Ce mécanisme va nous permettre de dépasser ce que nous avons de pire chez nous, les suspicions. Si c'est Amara qui le dit, c'est pas rien. Si c'est Batou qui le dit, je ne veux pas. Se dire, nous allons mettre nous ensemble, si vous n'êtes pas de parler, argumenter, nous allons argumenter, pour lui, qu'on puisse résoudre les problèmes de notre pays. Donc, et voilà, c'est le meilleur exemple pour ça. On a le but de faire ensemble, aujourd'hui on le fait de façon parcellaire, et si nous pouvons rêver d'une diaspora guinéenne en France unie, je ne dis pas l'uniformisme politique, c'est bien, je suis personnellement, je ne suis pas d'accord, je suis pour la diversité d'opinion. Mais quand il s'agit de la Guinée, faisons en sorte de le mettre ensemble, d'aller ensemble, de résoudre le problème, et non, depuis les élections, mais en tout le problème de nos réunions politiques, nous le ferons ailleurs. Mais dans le cadre associatif, les jeunes guinéens, nous avons une jeunesse dynamique ici, partout où j'ai été, qui m'a donné des leçons, alors que c'était ma génération de leur donner la leçon. Cette jeunesse ne connaît pas d'ennemis. Ça s'arrange à régler le problème. Tous ceux qui viennent ici, l'association des jeunes guinéens, des jeunes de France, ils se battent pour aider ceux qui viennent sans papier, ceux qui viennent sans poste, ils les aident dans les, au poste pour leur trouver des chambres, sans ce qui peut être obligé. Mais dès qu'on arrive à notre génération, c'est bien juste après nous. Ah oui, mais non, ceux qui font là-bas, ce sont les peuples, ceux qui font là, ce sont les malais. On est devant ça, non seulement c'est dépassé. Mais ça ne nous aide pas. Cette génération, quand je parle, je suis de cette génération-là qui n'a pas connu ça quand elle était jeune, comme vous. Je l'ai dit et je le répète, c'est la pédagogie, c'est la répétition. Je suis né de père et de mère malinqués. Mon père a voté jusqu'à sa mort pour Diawalbal, qui était ce peu. Tous les notables cantons l'ont fait. Parce qu'à l'époque, nous n'étions pas là. C'est la pauvreté du débat politique. Les gens n'ont rien à dire, ils s'impliquent le problème. C'est ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un pays, je ne suis pas, pas diplomatique. Le pays dans lequel nous nous trouvons, les partis qui sont arrivés en première position dans les élections européennes, avec pour seul et une chose, de dire non à ce qui se fait. Parce qu'il y a des immigrés, parce que l'insécurité sont les immigrés, parce que le chômage ce sont les immigrés. Quand vous avez dit ça, vous ne pensez pas, vous n'avez pas le programme. Vous êtes sûr d'avoir un bloquin de 25%. Je dis aussi, si moi je dis à quand même, moi je vais vous les malinquer, je suis au moins sûr, je suis sûr d'avoir au moins 10 ou 15%. Et ce n'est pas ça la solution, c'est d'avoir un projet pour notre pays, pour lui permettre d'aller vers l'émergence. Cette émergence-là est à notre portée, à une seule et unique condition que nous devons tous dans le même sens. Pour une Guinée forte, pour une Guinée prospère, pour une Guinée de tous et de toutes. Merci. Merci d'avoir prêté une attention soutenue à l'exposer de son excellence. Nous allons à présent passer à la séance des questions-réponses. Je vous prierai d'être bref, circoncis et d'éviter les commentaires, de poser directement des questions. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a déjà M. Ismaël Bah, M.
je parle d'un autre versant que je viens de dire. Monsieur Soumaoro, Monsieur Aboulabi, Monsieur Kamara, Monsieur Nieba. Bon, nous allons d'abord commencer par cette liste. Il y a 6 inscrits. D'autres pourront venir par la suite. Je vous prierai de, si une question est déjà posée, de ne pas perdre le temps à la reposer parce que nous sommes limités par le temps. Je vous remercie. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le maire. Je voulais d'abord vous dire toute ma gratitude et mes félicitations pour votre élection. Et merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Je vais être très court, très concret. Monsieur l'ambassadeur, je voulais adresser en date du 6 juin 2013 un courrier concernant des propos qui ont été tenus par M. Kouyaté à l'Assemblée nationale française. Est-ce que vous vous souvenez de courrier ou pas? Non. Bon. Vous ne vous souvenez pas de courrier, je vous en fais la copie. Ainsi que la réponse de l'Élysée. Comme ça, on prend à témoin pour la réponse de l'Élysée. Non, le courrier, je vais lire le courrier, monsieur. Monsieur, le courrier adressé au président de la République, Alpha Condé, sous couvert de monsieur Amara Kamara, ambassadeur de l'Élysée en France. Monsieur le président, récemment et dans les locaux de l'Assemblée nationale française, M. Lansana Kouyaté, ancien premier ministre, président du parti PDM, a porté des graves accusations contre vous, Alpha Condé, président de la République de notre pays, concernant lors des manifestations des assassinats ciblés en Guinée, qui pourraient être le fait de mercenaires étrangers que vous auriez fait venir de l'étranger. En effet, à ce stade, et si elle s'avère fondée, nous ne pouvions pas davantage tolérer cette barbarie. Ces interrogations sont d'autant plus préoccupantes que dans le second contexte, vous ne cessez, sous tous les prétextes les plus divers, de diffuser les élections municipales en dépit des accords qui ont été conclus le 3 juillet 2013 entre le gouvernement guinéen et l'opposition, et dont le peuple de Guinée attend la mise en œuvre avec une impatience croissante. Nous exigeons de notre part des explications circonstanciées sur ces accusations très lourdes par lesquelles l'ancien Premier ministre vous met en directement en cause et qui tarde à nous parvenir. Nous souhaitons vivement connaître votre réaction face à ces allégations. Le cas échéant, nous n'hésiterons pas à porter plainte au nom du peuple de Guinée pour assassinat et mise en danger de la vie d'autrui. Voilà le courrier que je vous ai fait parvenir le 6 juin 2013. Donc, nous attendons toujours la réponse de M. Condé. Et si d'ici septembre, nous n'aurons pas de réponse, alors nous porterons plainte. Voilà. Merci. Merci bien. Monsieur Gakite, s'il vous plaît. Y a-t-il un micro là-bas? Non, on n'en a pas. Non, il y a deux micros. Il est où l'autre? On ne l'a pas. Soyez bref, Franchebras. Oui, alors moi je vais être très bref. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, je voulais d'abord, je suis venu, je ne viens pas souvent dans les réunions du DLG parce que mes occupations sont très nombreuses. Mais je suis venu essentiellement pour son excellence en Amara, que je connais depuis longtemps. D'abord, le remercier parce que quand je rentre à l'ambassade de Guinée aujourd'hui, ça ressemble à une ambassade. J'ai dit à son prédécesseur, qui était une dame, on s'est retrouvé dans son bureau, je lui ai dit que l'ambassade et son bureau n'étaient pas dignes de notre pays. C'était sale, c'était désordonné, c'était infect. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je suis fier d'entrer à l'ambassade de Guinée. Donc, c'est
ce petit mot que je voulais lui dire parce qu'il fait son travail d'ambassadeur. Maintenant, sur le plan politique, il a fait l'état des lieux. On est à peu près de la même génération. Je pense que la Guinée a échoué depuis 1958. Ça, je l'ai dit, et qui est développé sous tous les temps. On a pensé que quand les militaires sont venus, ça aurait pu être mieux, ça a été pire. On a pensé que Alpha Condé aujourd'hui aurait pu faire mieux, c'est pire. Et les Guinéens, d'année en année, tirent le diable par la queue. Monsieur l'ambassadeur est satisfait du bilan depuis l'élection de M. Alpha Condé. Mais personnellement, je ne suis pas de cet avis. Il y a la mauvaise gouvernance, il y a le manque de l'état de droit. Et le mal de la Guinée, c'est ça, c'est la malgouvernance et l'absence de l'état de droit. On ne pourra jamais rien faire de potable s'il n'y a pas de l'état de droit. La division qui est là aujourd'hui, Alpha Condé et le RPG, ont commencé depuis très longtemps et ils l'ont aggravé depuis 2010. La Guinée ne pourra jamais s'en sortir si on n'a pas de position consensuelle sur l'essentiel de nos problèmes. Alors la question que je vous pose à M. l'ambassadeur, après le bilan qu'il a fait, l'état catastrophique des lieux, la situation de la Guinée qui est déplorable, Ebola est là parce que simplement, on a une instabilité publique dans tout le territoire guinéen. Les hôpitaux sont infectés, les gens n'ont pas d'eau. La première des choses, on dit, avez-vous les mêmes verres à l'eau? Et aucune ville n'a une adduction d'eau en Guinée. Alors, c'est que la question d'or est de savoir, malgré cette situation catastrophique, est-ce que on peut s'en sortir avec la gouvernance actuelle qui n'a pas changé grand-chose, malgré les petites réformes dont M. l'ambassadeur se satisfait? Est-ce que la Guinée peut s'en sortir sans une conférence nationale? Vérité, justice, réconciliation. Parce que le bilan politique est catastrophique et lourd. Il y a eu des assassinats politiques. Il y a eu des problèmes économiques majeurs. Et il a dit beaucoup de choses que moi, personnellement, je ne connais pas. Or, je ne suis pas parmi les moins informés des Guinéens. C'est pour dire que les 10 millions de Guinéens ne savent pas le millionième de la réalité guinéenne, malgré qu'ils y vivent. Donc, il faut qu'on aille au fond des problèmes. Merci, M. Président, une conférence nationale souveraine pour la réconciliation. Merci. Merci, M. le député. Je vous prierai, nous avons la salle jusqu'à encore une demi-heure pour que le maximum de personnes puissent poser des questions, bref, dans vos questions. Monsieur Soumaoro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. Moi, ma question concerne, le monsieur avait déjà posé beaucoup sur la question, c'est la question des salubrités à Conakry. La Guinée aujourd'hui est la deuxième ville la plus sale de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour sortir de la Guinée? Parce qu'on peut le dire, mais c'est la santé avant tout. Et pour avoir la santé, il faut que la ville soit propre. Et ça, c'est quand même capital. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que moi, j'étais en Guinée, j'ai fait 3 mois. Et les 3 mois où j'ai passé dans les ministères à Bruxelles, tout simplement les Guinéens en Guinée ont dit on n'a pas les moyens. Est-ce que c'est vraiment les moyens ou l'organisation qu'il faut mettre en place pour mieux faire l'hygiène en Guinée? Merci. Nous avons peut-être répondre pour 3 minutes. D'accord. Ok. Monsieur Aboukadi, s'il vous plaît. Merci. Je serai très bref. Vu le temps, la seule question que je voudrais poser à son Excellence, c'est par rapport à Ebola. Quand on lit sur l'Internet ou qu'on regarde la télé guinéenne, il semblerait qu'on minimise ce problème de la part des autorités. Et quand vous écoutez, vous lisez les textes sur de l'OMS ou des sites de santé, eux, ils sont beaucoup plus inquiets que nous, apparemment. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Merci bien. Merci pour la priorité de la question. Monsieur Kamara, c'est ici. Je souhaite que le débat soit sur le futur. Je le souhaite. Nous voulons qu'un État fort naisse. Je pense qu'il faut centrer le débat sur le futur qui naît. Et je vais vous dire quelque chose. Il a été premier ministre. M.
question lors d'une conférence de presse lundi dernier devant de nombreux journalistes. Vous étiez premier ministre. Les cartels de la drogue avaient mis la main sur le pays. Vous êtes guinéen et vous ne pouvez pas ignorer que nous étions comme en Guinée, Bissau. Et j'ai fait appeler à Guinée. Vous, vous avez été premier ministre et vous n'avez pas pris de mesures contre ça. Ça, c'est une première question. L'armée sortait. Les militaires venaient et tiraient sur des gens innocents. Et vous, vous étiez le premier ministre, vous n'avez pas pris de mesures contre ça. Moi, je veux que la Guinée avance avec la vérité. Quand vous êtes bien ici pour dire des choses que lui n'a pas pu réaliser en son temps, cela m'amuse. Mais c'est un débat que nous devons connaître entre ceux qui portent la contradiction et qui sont sincères. Maintenant, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, l'armée est quand même, et c'est pas pour appuyer l'ambassadeur, je veux lui porter la contradiction, l'armée est dans les cartels, personne ne peut le dire. Et puis, le Mont Simandou, quand on a bradé le Mont Simandou, j'ai été le premier à demander à notre Khalid Malik, je dis que vous êtes des yeux, on a bradé le Mont Simandou à un milliardaire. Faisons des débats là-dessus, Malik. Plusieurs fois. Parce que c'est votre avenir qui est abîmé. Ceux qui ont fait ça doivent rendre compte. Ça, c'est une des choses très claires. Je vais être très clair. Excellence, ce que je souhaite, c'est la pensée économique d'être abonnée. Voilà, sa pensée culturelle, en tant qu'universitaire, en tant que professeur. Mais, je le dis, les rois ont fait l'université dès qu'ils sont qualifiés. Je l'ai dit à l'ambassadeur, ils ont lancé le départ, le festival mondial des gens avec tous les éléments. Ça, ce sont des projets qui créent l'emploi, qui créent la confiance, qui créent l'unité nationale. Alors, je voudrais que son Excellence nous dise quels sont aujourd'hui les projets phares du président Conté. J'espère que c'est Condé. C'est un lapsus. Je m'en ai dit. Merci, M. l'Assemblée Gabara. Monsieur Guillaume, la dernière question pour l'instant. Ce ne sera pas une question proprement dite, mais c'est pour apporter un petit peu de l'eau au moulin de son Excellence. Il insiste sur le fait qu'il y a ici des personnes de certain âge qui sont réticentes dès qu'on parle de se rassembler, c'est-à-dire le groupe guinéen, dès que c'est la Guinée. Ils font des groupuscules. Il n'y a pas d'état de sans exception. Nous aussi, malgré que nous soyons des anciens, nous émergerons partout où on parle de projets associatifs concernant la Guinée, nous aimerions être présents. Participer. Donc, les sous-entendus, qu'on les mette de côté et que nous travaillons ensemble. Comment dirais-je? Juste un petit mot. Quand j'étais élève en Guinée, mes parents sont de famille pauvre, j'ai toujours été boursier. Je dis bien boursier. C'est l'impôt de tous les Guinéens. On ne demandait pas qui payait l'argent. C'était des peuples, c'était des marqués, c'était des versets comme moi, etc. J'ai un devoir envers tous les Guinéens. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. C'était intéressant. Plus c'est à l'idée, mieux je comprends. Mais je suis de bonne foi. Je pense que. Le frère Mancini a répondu en partie à la préoccupation de l'ISEPA. J'attends avec impatience sa prête. Comme ce sont les seuls assassinats qui aient été mis, on verra qui a assassiné qui a financé qui. Donc j'attends un peu la fin. Bien, la question a été posée. Il fallait que rien n'a changé à l'ISEPA. Charles, je suis vraiment heureux que vous alliez voir. Je me dis qu'il faut mieux voir une fois qu'on parle par les 100 fois. On n'avait aucune idée de l'état de la Guinée en 2010, on n'avait aucune idée. On n'avait aucune idée des parties guinéennes de la gestion. On n'avait aucune idée du changement du Guinée.
femme a tout pour faire l'éducation que vous et moi nous avons reçue. Et si on avait cette éducation, nous pourrions se comporter différemment. Car quand on découvre aussi mal que ce que la femme a compté, je pense que vous pouvez attirer le conclusion vous-même. Quand on parle de conférence nationale, pour le médecin que vous êtes, la démocratie, les gens ont voté au même l'Assemblée nationale. Présentez-vous les raisons pour donner les raisons pour un simple plaisir. Dites ce que vous avez à dire. Demandez aux Guinéens de voter pour quand ils vont en pouvoir discuter. Une conférence nationale, c'est débat. C'est trop tard. Je fais partie de ceux qui l'ont réclamé. Pour deux raisons. On a parlé de la Première République, de ce que la Première République a fait. On n'a pas parlé de juillet 85. On n'a jamais parlé de juillet 85. S'il y avait une conférence nationale, on aurait su ce qui avait su que c'était pas ça aussi. Parce que ces victimes-là ont encore le même respect que les autres. Donc, là où on en est, regardons devant nous. Regardons la Guinée de demain, la Guinée qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Travaillons à ça. Améliorons ce qui est là. Faisons le peu que nous pouvons faire, tous les jours, posons une autre pierre pour progresser. Quant à la salubrité, elle est connue. Mais j'avais été agréablement soutenu en disant, ah oui, il y a des solutions. Qui a vu pendant qu'il y a la conférence pour le CI, pour espérer. J'avais vu pendant qu'il y a aussi propre. Ça veut dire qu'il y a des progrès. Ces progrès-là se feront. J'étais dans un milieu où le président avait donné des instructions formelles au gouvernement pour que cette question soit réglée. Des contrats ont été signés avec des entreprises de balayage, de nettoyage de la ville, parce qu'ils en sont. Je crois le dire. Mais cette préoccupation est celle du président lui-même. Mais je m'en ferai l'écho. À partir de cette réunion, dire nous n'avons pas vu que nos compatriotes de France sont inquiets et font un lien direct, et vous qui êtes médecin, vous savez un lien direct entre cette épidémie et l'hygiène de vie. Pour parler des voilà, cette parole, vous savez, le délai de réaction a été le plus court depuis l'existence des voilà, on a fait un délai de réaction de 2 mois, entre janvier et le 20 février. Le gouvernement a réagi, on avait réussi à s'y penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes tous des Guinéens ayant en commun une forme d'éducation. Quand quelqu'un était malade, il était confiné. Confiné, il y avait 2 solutions. Soit vous guérissez, soit vous mourrez. Et en mourant, votre famille n'avait pas le droit de vous toucher. Chez nous, c'est un crime de ne pas toucher un malade, de ne pas enterrer son parent. Nous avons des gens qui cachaient, et jusqu'à présent ils le font. Ne dis pas que tu as ça, sinon on va plus te voir. C'est comme ça que les familles entières ont été décimées. La campagne de sensibilisation, pour que les gens comprennent qu'il y va de leur intérêt, de notre tradition, sont une chose. La contamination, c'est autre chose. Si on n'arrive pas à faire ça, nous n'en sortirons pas. Aujourd'hui, il y avait un système qui avait été mis en place qui était entre toutes les maladies fiévreuses, on les considère comme Ebola. Si, comme avant, un Guinéen ne mourrait pas d'autres maladies. C'est toute la distinction que l'Institut Pasteur avait faite en disant ce qu'on appelle des cas avérés. Donc, le problème qu'il y a entre les deux sources, c'est entre les cas avérés et toutes les autres et les maladies vont avoir une connotation fiévreuse. Quant à la pensée, mon cher, la pensée économique, elle est très simple. C'est de faire de la Guinée un pays émergent. C'est l'ambition. Et cela se trouve sous une forme de ces types. Infrastructure, agriculture, mine. Et faire ensemble pour arriver à financer l'ensemble des projets de développement. Pour élever le niveau, inverser la courbe de la liste de pauvreté. La Guinée qui s'appauvrissait depuis 1958 jusqu'à maintenant, faire en sorte que les Guinéens s'enrichissent à vivre, à avoir des conditions meilleures. Vous savez, mon cher ami, comme nous avons les cheveux blancs, on a fait les mêmes parcours, nous avons connu autre chose, et c'est vrai. Je vous assure, c'est une conviction de vivre ensemble, entre nous, entre Guinéens. Se dire les 4 vérités, mais en restant amis, en restant
on pourra se parler en échangeant. C'est la distinction, j'ai parlé de quatre régions nationales et maintenant de coordination. Parce que les régions régionales recouvrent beaucoup plus que les peuples, les maladies, les sociaux, les ouais, confinés dans un cadre. Faisons en sorte de dépasser ça, de se dire que les affinités que je peux avoir n'importe quel d'entre vous n'est pas liée du tout au fait de mon été, de ma descente. Et si nous avons des affinités politiques, nous avons des affinités sociétales, nous avons des affinités sportives pour arriver à faire des choses ensemble. Et ça, nous le pouvons, nous l'avons fait. Il n'y a pas besoin qu'on puisse pas le faire. Et si nous avons tous les ingrédients de nos comités, ces ingrédients-là, si on les met ensemble pour faire une bonne sauce, il faut de bons ingrédients. Et nous avons tout pour faire une bonne sauce. Faisons en sorte qu'on ait cette bonne sauce. Merci. Nous allons prendre le nom pour vous, c'est Dieu. Oui. Monsieur Emmanuel Camara. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent poser? Allô? Comment? Avec le prénom? Oui. Ok. À voir de. Oui, Amina. Bon, on verra s'il n'y a pas de personne. Ok, bon, il y a déjà 5 personnes. Je voudrais juste, avant de passer la parole au premier intervenant, rebondir sur ce que Son Excellence a parlé à propos de la conférence Vérité, Justice et Réconciliation. Pour le liguer, loin de là, peut-être que l'instant n'est pas mûr, mais la seule question que nous devons nous poser, c'est de savoir pourquoi la Guinée refait toujours les mêmes erreurs, c'est-à-dire ce qui s'est produit depuis 58 jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas aujourd'hui à l'abri d'une énième répétition de l'acte. C'est-à-dire que nous n'avons jamais expurgé le problème, nous n'avons jamais fait le tour de la question, et bien, il serait peut-être temps d'y réfléchir. D'accord. Monsieur Calou, s'il vous plaît. Bonjour, Paul. Je m'appelle M. Diallo Mamadou, je suis le trésorier de l'Amicale des ressortissants et sympathisants de Guinée en France. Donc l'acronyme c'est ARFGF, on est basé à Villeneuve et tous les week-ends on organise des cours religieux pour les frères, les enfants qui sont nés en France et qui ont besoin de parfaire leur religion. Donc comme vous savez très bien, ça fait partie de notre culture. Et on a un projet ambitieux parce que, comme vous le savez, ici on a des contraintes de temps. Donc, quand on est amené à organiser des réunions, on essaie de trouver des salles partout dans Paris et c'est pas toujours évident. Donc, je vous invite, si toutefois vous êtes amené à organiser des réunions, donc notre local il est disponible, c'est pour tous les Guinéens. Donc, on est basé à Villeneuve. D'accord? Et on l'a pris au nom de tous les Guinéens. Donc, Et tous les mois, c'est les membres de l'association qui supportent les charges de ce local à raison de 2000 euros par mois. Donc, vous êtes conviés à. Ça fait partie, enfin, c'est au nom de toute la communauté, donc on appelle à tout le monde de conserver la main pour améliorer nos cours, pour faire vivre cette association. Donc, ma question est la suivante. Donc, vous savez que dans chaque famille guinéenne, il y a une ou des personnes qui sont à l'étranger, qui sont des supports de famille. Et donc, il y a des questions qui ont été posées et j'ai entendu une question qui a été posée par rapport à la diaspora. Donc, ma question est la suivante. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les conditions d'existence de la diaspora? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour, bien que s'il y a des choses qui ont été faites, on peut toujours améliorer les choses, qu'est-ce que vous avez prévu pour améliorer nos conditions? Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Diallo Mamadou. Pourriez-vous donner la liste de la salle?
la caisse plutôt. Très important. En attendant, vous donnerez ça à la fin quand vous l'aurez. Monsieur Emmanuel Camara. Je salue d'abord l'ensemble des assistants de cette réunion et je remercie également le président de l'ING, Gabi, de m'avoir oublié cette réunion, cette rencontre amicale avec M. Amara Camara, notre ambassadeur en France. Je m'étais réjoui fortement lorsque j'ai appris la nomination. D'ailleurs, c'est mon ami Nassim Ekolova qui est là, qui m'a annoncé. Lorsque j'ai appris la nomination en tant qu'ambassadeur, c'est la première fois que j'ai l'occasion de t'adresser mes compliments. Car je pense que, très légitimement, c'est un poste que tu dois occuper. Et je me suis réjoui également du fait que, lorsque j'ai appris la nomination d'un ami à nous que tu connais aussi, Blaise Chérif, comme ambassadeur à Washington, je me suis dit, tiens, il y a un changement actuellement en Guinée, on commence à nommer des gens véritablement sérieux dans des postes de représentation dans des pays importants. J'ai dit, bon, voilà, ça commence à changer parce qu'avant, on assistait à des nominations un peu fantaisiste pour ne pas dire farfelue. Et lorsque j'apprends que l'ambassade est complètement rénovée en Guinée, ça ne m'étonne pas de M. Amara Camara parce que c'est un homme de qualité. Bref, mettons ces compliments de côté, mais il devait être dit. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, vous savez que, tout le monde le sait, depuis les cités grecques jusqu'à vos jours, le but fondamental de la politique, en tout cas, son but le plus noble, c'est la recherche de la paix dans un pays. La consolidation de cette paix et son maintien de façon pérenne. L'instrument essentiel pour obtenir cette paix dans un pays, c'est l'unité nationale. Lorsqu'on est élu chef de l'État, quel que soit le chef de l'État, et dans n'importe quel pays qu'il soit, à forcerie à Guinée, nous prenons le président Sékou Touré, certainement, il avait en vue l'unité nationale du pays. D'ailleurs, le premier gouvernement qui a formé était composé de tous les leaders des partis politiques. Il y avait même un Français qui était ministre de la Corruption. Vous vous rendez compte? Bon, à l'époque déjà. Donc quand un chef de l'État arrive, il se dit, il se creuse la tête, qu'est-ce que je fais pour la construction de l'unité nationale? Parce qu'il trouve ce problème central dans le creuset de l'État. Il ne peut pas ne pas y réfléchir. Lorsque le président Conté est venu, il a réfléchi sur la question, il a vu la façon de construire l'unité nationale. Monsieur l'ambassadeur, avec le président, le chef de l'État, je souhaite que vous l'utilisiez en quelques mots. Quels sont les actes fondamentaux qu'il a adoptés depuis qu'il est là pour parvenir à peine en Guinée pour consolider l'unité nationale qui est déjà là, un peu, hein. Et voilà, moi je pense que, on parle de conférence nationale, je pense que ce sont des réunions qui vont un peu dans ce sens-là. Mais bref, il y a plusieurs modalités d'arriver. En tout cas, je souhaite que vous annonciez ici, parce que moi c'est ma préoccupation sociale. C'est la commission sine qua non pour résoudre beaucoup de problèmes. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens-là? Au moins deux ou trois actes majeurs. Je vous remercie infiniment. Merci, M. Camara. Diallo Malik, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour, M. l'ambassadeur. En fait, ma question revient un peu à la question du doyen. C'est justement par rapport à cette unité nationale. Je voulais juste rajouter un truc, c'est que quand l'ambassadeur nous parle de la campagne qu'il y a eu par rapport à l'Ebola, c'est sûr, ça a vraiment aidé beaucoup de Guinéens. Aujourd'hui, la division des Guinéens, à la base, elle est due aux politiques. Hein, il y a 5 ans, il était dans l'opposition. Donc
là aussi, ça part de responsabilité dans cette division. Comme ils le font également aujourd'hui, les opposants, les politiques, les opposants à Kiné, font exactement la même chose. Et vu qu'il est président aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait pour l'unité nationale des Guinéens? Si vous parlez des quatre régions naturelles à Kiné, ça va plus loin que ça. Par exemple, quand on voit des communautés minoritaires à Kiné, pour les dire, s'entretuer pour des problèmes de l'open de terre ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ces gens-là, ils sont divisés, parce que les politiques ont mis dans leur tête qu'ils ne sont pas pareils, entre guillemets. Excusez-moi, mais c'est ça, en fait. L'unité nationale, elle est où? Qu'est-ce qu'ils comptent aujourd'hui faire? Une sensibilisation, qu'est-ce qu'on compte aujourd'hui dire aux Guinéens, qui sont en majorité à l'alphabet, qu'on est tous frères et sœurs? Merci. Merci bien. Madame Abinambo. Moi, je voulais évidemment poser une question sur la diaspora guinéenne. Je vous rejoins également dans notre confrère. Donc, je reprends donc ma question. Donc, qu'est-ce qui est fait réellement pour impliquer un peu plus la diaspora sur le développement de la Guinée? Et ma seconde question serait également, pour revenir sur l'Ebola, c'est que j'aimerais que vous puissiez me faire un bilan concret de l'Ebola. Qu'est-ce qui est fait concrètement? C'est pour évidemment éliminer cette maladie qui quand même salit et entache beaucoup l'image de la Guinée étant à l'extérieur, puisque la maladie s'étend dans le monde. On a encore un cas qui a été recensé en Espagne, il me semble, et évidemment c'est les Guinéens qui à chaque fois sont touchés par rapport à ça. Merci bien. Monsieur Poul, débattez s'il vous plaît. C'est juste des arts qui sont à l'arrivée. Voilà, bon, je ne serai pas long. Ma question a déjà été posée. Ça concerne l'unité nationale. Donc, je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. Moi, ma seule préoccupation, c'est l'unité nationale. Qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement guinéen pour réunir tous les Guinéens dans un ensemble? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est prévu? Parce que là, quand je vois un peu la situation actuelle, je me dis qu'on va répéter la même chose de ce qui s'est passé en 2010. Donc on dit de reproduire les mêmes erreurs qui vont conduire aux mêmes violences et la même division en 2016. Donc qu'est-ce que nous en France ici, qu'est-ce que l'ambassadeur prévoit ici pour réunir des gens qui sont peut-être proches d'Alpha Condé pour faire passer le vrai message pour l'unité nationale? Donc voilà, merci. Merci bien. La sixième personne, M. Abassouré. Bonjour, Moi, j'ai trois questions, mais je n'ai pas trois. François Castaldi, s'il vous plaît. Une seule question, s'il vous plaît. Bon, on n'a pas assez de temps. Vous avez pas besoin de trois, celle qui vous connaît. On tient à une question, la question de l'agriculture. Tout le monde sait que pour le développement d'un pays, il faut l'autosuffisance alimentaire. Il faut l'autosuffisance alimentaire. La Guinée a plus de cadres agronomes que tous les autres pays africains. Pendant tous les 26 ans, c'est que nous avons formé des cadres agronomes. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on a même eu certains autres, les agronomes-là sont recyclés, sont partis, donc partis des marais, c'est dans l'école normale, pour d'autres filières, à savoir géographie, histoire, tout ça. Qu'est-ce que l'on fait pour récupérer ces agronomes, pour pouvoir les orienter et les agriculteurs dans les préfectures pour pouvoir avoir de bons résultats sur ce plan? Donc, deuxième, si c'est possible. Je vous remercie, M. Boré. Michel Ferreco. Merci beaucoup. Le fait que la majorité des questions se rapportent à l'unité nationale me conforte dans ma conviction que cette unité est une nécessité, c'est un passage obligé si on veut aller loin dans le rassemblement des Guinéens. Nous venons de loin pour. On a cultivé, je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on a cultivé pour utiliser les Guinéens, c'est la pauvreté de ce débat-là qui a fait ça. Ils sont partis de 58, je ne sais pas, établis sur ça pour les jeunes générations. La première grande alerte, ou forte alerte, c'est en 1976, le complot dit peu. La deuxième grande alerte, nous allons la trouver en 1985 dans le complot d'Imalek. Ensuite, nous allons rentrer dans un système de
de répression. C'est pour ça que je suis un peu comme cette ancienne partie. C'est les jeunes qui sont morts en Guinée, les jeunes élèves et étudiants qui sont morts en Guinée, massacrés par ses amis. Il n'y a pas non plus le procès. Est-ce que c'est une conférence nationale qu'il faut? Ou si c'est une question qui m'a été posée à Lyon il y a deux semaines, peut-être qui me ramène à me poser cette question-là. Il n'y a-t-il pas une crise de confiance entre les Guinéens? Il n'y a-t-il pas une crise de confiance entre nous? Que chacun pense que l'autre lui raconte des histoires. Est-ce que nous sommes devenus des menteurs, des prédateurs? Quand vous parlez à quelqu'un, il ne vous croit pas. Je vous donnerai un exemple, je ne citerai pas le mien, mais ça n'a aucune importance. Le pays est dirigé aujourd'hui par quelqu'un qui a été plus de 10 ans président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, on appelle la FEM. La FEM, ici, n'avait pas de problème de pays, encore moins d'ethnie. Faire un procès des tensions à Alpha Condé, qu'il est ethnocentriste, serait une tragique pour lui. Il aurait échoué sur tous les plans. Il n'a jamais été. Les docteurs de l'idée de Sigiri. Un des regards de Sigiri, il y a quelques semaines, c'était de lui reprocher de ne pas être validé. Et un des reproches qu'on lui fait ailleurs, c'est d'être validé. Pour moi, c'est déjà un compliment. Mais je prends cette question de l'idée nationale très au sérieux. Si vous m'avez écouté dans mon exposé tout à l'heure, j'ai insisté sur notre point rassemblement ici. Nous sommes divisés ici, sans aller en Guinée. On ne se parle pas. Il y a des associations parallèles qui sont créées parce qu'on accuse l'une d'être peuple, l'autre d'être maléqué, la troisième d'être sous-sous. Peut-être on est ensemble, discutons déjà. La plupart d'entre nous n'ont pas été à l'école. On peut pas raisonner. Il y a eu un exposé sur le camp Baro à l'université de Saint-Denis. Un étudiant a demandé à l'auteur de livre, après son exposé, vous, vous êtes allé et vous dites qu'il y a bien la prison en Guinée. Sur ces couturiers. Selon lui, un balayé ne peut pas être bien pris. C'est l'instant où on raisonne comme ça, c'est l'instant où on crée le mensonge, on l'installe comme une vérité. On ne peut pas avancer. C'est pour ça qu'il y a du devoir de chacun d'entre nous, pas seulement de la famille, mais de nous battre au quotidien pour que nous soyons unis. C'est à nous aussi de le faire, c'est pas seulement au gouvernement, c'est le quotidien. C'est d'apprendre à nos enfants. Vous savez, on a les groupes mixtes. Les Guinéens se sont mariés entre eux. Quand vous arrivez dans ces familles-là, ils ne sont ni peu, ni malinqués, ni sous-sous, ni forces. C'est un couple qui s'aime, c'est un couple des Guinéens, avec des enfants Guinéens. Faisons en sorte de faire cette pédagogie-là, développons-la, disons tous les jours, partout là où vous irez, dans les réunions publiques, posez ce problème de réfléchissons ensemble. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on peut faire ensemble, c'est pour ça que j'ai proposé tout à l'heure un mécanisme de consultation. Pour que les gens se parlent, parce que pour démystifier les préjugés, c'est de se parler, c'est de se connaître. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas aller au-delà des préjugés. Seulement, si vous considérez que l'autre vous est inférieur, et plutôt parce que si vous pensez qu'il est supérieur, ça n'existe pas. Vous qui êtes en France ici, vous êtes bien placé pour le savoir. En Europe, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de maléfique, il y a des nègres, il y a des noirs. Vous êtes combattu pour ça, et vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Si nous apprenons déjà à nous battre pour que le noir soit mieux reconnu, si nous nous battons pour ça, nous dépasserons nos petites querelles nationales qui ne l'intéressent pas qu'à moi. La diaspora, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ont lu de la gentillesse de m'aider dans les interviews, une de mes convictions, c'est que la Guinée ne changera qu'avec cette diaspora. C'est celle-là qui a une autre pratique. C'est celle-là qui a une autre formation. C'est celle-là qui est plus patriotique. Je le dis en connaissant ce que vous. La différence entre certains ici et moi, c'est qu'il y a
Avant de prendre des fonctions, j'étais exactement comme eux. Je pensais que le Guinéen que j'étais, le Guinéen que j'ai laissé, était comme moi. Il n'est pas comme moi. Cette diaspora-là, je l'encourage à rentrer tous les jours. Partout où je vais, je demande aux jeunes gens, faites en sorte de pouvoir rentrer. D'ici tant qu'on n'aura pas injecté une forte cause de Guinée de l'extérieur, la Guinée ne changera pas. Nous avons des CV. La rétention qui sont dues à nos amis de l'intérieur, même si on va dire si stigmatiser tout le monde. Mais on est déterminé à aller jusqu'au bout. Vous qui êtes ici, vous qui êtes formés, vous qui souhaitez rentrer, continuons ensemble à débattre pour vous imposer à cette administration guinéenne, pour vous imposer. Donc cette force pose de Guinée à l'extérieur change le visage de la Guinée, change notre image. Nous le faisons au quotidien. On est en contact avec les compatriotes, on essaye de ne pas passer à côté de cet échange-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ensemble, là, la CHF par exemple, ou l'association des jeunes Guinéens, dans l'association des étudiants de France, ensemble. Faisons en sorte qu'on nous écoute. J'ai dit au ministre de l'Emploi des Jeunes, c'est bien. Quand vous dites que vous faites la promotion de l'emploi des jeunes, les jeunes ne sont pas maquinés. Ils sont à l'extérieur et ceux-là sont prêts à rentrer. Ils ont moins de problèmes que nous. On a des crédits immobiliers, on a des familles d'enfants qui vont à l'école. Les jeunes qui ont terminé n'ont pas ce problème-là. Tout ce qu'ils demandent, c'est de ne pas aller chômer à Conakry. Ils veulent rentrer et travailler. Donc, on trouve un mécanisme d'installation de ces jeunes-là pour le faire. C'est en ça que le chef du cabinet du président de la République est chargé aujourd'hui de récupérer ce CV, d'essayer de planifier l'emploi. Donc, c'est une préoccupation. Et la porte de l'ambassade, de toute personne de l'ambassade, nous sommes ici au service de cette diaspora. Les écouter, les accompagner, faire en sorte de démystifier un peu le contexte dans lequel ça se passe. J'ai une amie d'enfance qui a parlé tout à l'heure, il a tellement vieilli que je n'ai pas reconnu. Emmanuel a fui un très beau garçon. C'est lui, je. Je ne préfère passer sous silence son intervention parce que c'est lui et moi et nous autres, nous avons fait ici des choses ensemble. Nous avons été dans des groupes composés de diverses ethnies. On avait les mêmes préoccupations, on faisait la cour aux mêmes filles, on allait dans les mêmes dancing, on faisait les mêmes rêves parce que tous les ans, nous étions en train de rêver qu'on allait rentrer l'année d'après. C'est comme ça qu'on a acheté des maisons ici, on a resté. Parce que lui, il est resté jusqu'à 84, comme on a dit. Celui qui l'a remplacé, on ne peut plus l'amener non plus. Ils sont tous morts de leur dernier mort. C'est-à-dire que c'est ça la réalité. Là, comment on a réussi finalement cette classe politique? C'est pas les élections, les premières élections transparentes et libres de Guinée. On a réussi à faire élire quelqu'un de la diaspora. Alors, je ne suis pas de l'élitisme, mais une de nos difficultés, un de nos gros problèmes, ça a été le niveau intellectuel de nos dirigeants précédents. Vous ne pouvez pas avoir de l'ambition quand vous ne savez pas ce que c'est que l'ambition. Avoir de l'ambition pour son pays, en faire quelque chose, former les Guinéens, former le citoyen ou le militant, c'est bon. Mais si vous avez plus de compétences, c'est un paquet. C'est à ça que nous essayons de concourir. C'est à ça que nous essayons de faire. Et je vous rassure de conviction. Si vous disiez un jour à quelqu'un qui m'a connu à l'UNESCO que Kamala est devenu être centré, si on vous dit que c'était devenu vous. Parce que je ne suis pas du tout le tiers monde. Je ne dis pas, je ne dis pas pour l'Afrique, pour le tiers monde. Pendant plus de 20 ans. Donc je n'ai pas du tout cette fibre-là, je ne l'aurai jamais. Ma porte est ouverte, je
suis à la disposition de tous les Guinéens, que vous soyez de l'opposition ou sans opinion politique. Ça m'est complètement égal. Si vous venez pour vos problèmes guinéens, nous résolvons le problème guinéen selon les règles. Nous ne devons pas le faveur ni pour les uns ni pour les autres. Quand vous êtes dans le débat politique, si vous m'invitez, ce que vous n'avez jamais vu, vous le verrez, parce que je suis aussi conscient d'un débat politique. Quand je me rappelle mes convictions, je ne laisse pas, je ne cède pas un centimètre de mes convictions politiques. Mais j'accepte la diversité d'opinion, je suis prêt à discuter de ce que vous avez. J'ai écrit en 1976 dans un programme du Sénat, la démocratie pour le moment dans le pays, faudrait la limiter à deux partis. Cela nous oblige à nous mettre ensemble. Une fois les élections terminées, si nous ne pouvons pas le faire, faisons appel à toutes les compétences. Toutes les compétences sont dans tous les partis. Un pays en développement a besoin de toutes ses énergies, de toutes les compétences pour avancer. Et c'est ce que ce cri du cœur que je vous lance aujourd'hui, et bien pris maintenant pour votre préoccupation de cette unité nationale, de cette exigence-là, de donner des signes, de donner des preuves que nous allons dans ce sens-là. Et ça, je pense que pour ceux qui nous pratiquent un peu, ça a commencé à m'apprendre ça ici. Si vous avez la moindre impression qu'il est fait une faveur sur une base ethnique, signalez-le. Faisons en sorte que la Guinée soit la Guinée de tous, et c'est avec tous que nous pouvons réussir. Monsieur le Président, en terminant ici, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion-là. Comme je vous l'ai dit, je serai toujours à votre disposition. Je vais quand même me permettre de vous taquiner. Il y a seulement 4 jours, j'ai vu solliciter qu'il y avait une rencontre exceptionnelle avec l'ambassadeur. C'est vrai qu'ils étaient en contact, mais je n'avais pas la date, je n'avais pas peur, je n'avais pas lieu. Et je dis que je serai au rendez-vous. Je ne ferai jamais le débat. Mais si on peut s'expliquer entre nous, se dire les vérités, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut laisser les gens parler, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, et nous répondons de la façon de la plus simple et de la plus sincère. On ne peut pas avoir l'uniformité d'opinion. Il faut mieux penser qu'en fait qu'on a les dictatures. Frère, accepte cette diversité-là, cette différence, et se battre pour nous. Dans votre cadre de dialogue, votre cadre de réflexion, aidez-nous à en faire un cadre d'action. Et c'est en ça que nous pourrons avancer. Et je vous remercie. Je remercie tous nos compatriotes et les amis de la Guinée qui sont avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci son excellence, mais vous n'allez pas pouvoir vous échapper comme ça, parce que si vous avez bien remarqué, il y a que des hommes qui ont posé des questions justement. Et il y a eu une femme. Ça c'est vraiment. Moi je suis désespérée à chaque fois quand il y a des conférences comme ça que les femmes n'interviennent pas. Donc, monsieur le président, excusez-moi, mais il y a une question féminine qui va se poser, donc voilà, je vais la prendre. Vous allez la prendre dès le début. Parce que la personne s'est déplacée. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association DLG d'avoir organisé cette rencontre. Comme a dit monsieur l'ambassadeur, c'est dommage que l'information n'a pas pu passer plus tôt, parce que je pense que ça concerne toute la diaspora en France et ça concerne tout le monde. Mais bon, merci quand même. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, la diaspora guinéenne se trouve dans des difficultés, surtout les familles, au niveau de l'éducation des enfants ici en France. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup trop de nos enfants qui sont en prison. C'est une réalité. Nous, association, on nous appelle souvent pour avoir des renseignements, des informations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui il faut contacter? On est souvent perdu, mais bon, comme... on est des associations qui travaillent avec soit des avocats ou autres, on arrive à trouver des solutions. Mais moi, ma question, en fait, qu'est-ce que vous envisagez en fait, pour aider ces populations qui ont des enfants qui sont ici illettrés, les parents illettrés, qui ont des enfants avec toutes les difficultés qui concernent aujourd'hui l'éducation, parce que bon, on est tous dans les mêmes contraintes de vie aujourd'hui.
Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question concerne les décès ici en France ou en Europe. On a géré vraiment beaucoup de problèmes via l'évacuation du corps au pays. Et ça, je pense qu'il va falloir trouver une solution. J'en avais déjà parlé à la CAGF. Et je reviens auprès de vous aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. Il faut, je pense, essayer de trouver une solution à ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense que peut-être en conclusion, vous direz quelque chose. Donc, il y a juste David qui va dire deux mots sur sa communication. En ce qui concerne l'information de son Excellence concernant l'organisation de cette rencontre, le club DLG est un peu procédurier, donc on a voulu respecter le fonctionnement de l'administration, et par conséquent, on n'a pas voulu le déranger directement, on a travaillé d'accord avec l'administration de l'ambassade. Bon, et donc c'est peut-être. Voilà, c'est ce qui explique un petit peu. Merci Malik. J'étais juste pour faire une communication concernant une rencontre qui aura lieu le 13 septembre prochain. Je parle en tant que président de l'association La Fraternité des Guinéens de France. Nous organisons une sortie le 13 septembre et nous avons placé cette sortie, cette soirée dansante, sous le sceau de l'unité nationale du Vivre Ensemble. Nous avons décidé d'innover, nous avons eu 4 invités d'honneur, et chaque invité d'honneur correspond à une association représentative d'une région naturelle de la Guinée. Donc, elle aura lieu le 13, et nous avons eu aussi l'accord, l'assentiment de son Excellence, M. Amara Camara, qui accepte que cette soirée soit sous le sceau de son patronage. Donc, cette soirée aura lieu le 13 septembre 2014 à Agnières, une salle que vous connaissez tous, quoi. Donc, c'était la communication que je voulais faire. Et j'en profite aussi pour féliciter notre ambassadeur pour sa disponibilité vis-à-vis des associations et aussi pour quelqu'un que j'ai découvert quand j'ai été invité par les étudiants guinéens de Lille. Nous avons été invités, c'était sous son patronage. Nous avons déjeuné ensemble, nous avons fait connaissance et depuis lors, nous avons des relations très étroites. Malgré chacun de ses propres opinions, mais j'ai découvert ses qualités humaines et morales hors de commun. Ce n'est pas de la plaque, ce n'est pas pour le caresser dans le sens du poids, j'ai eu le plaisir de connaître quelqu'un vraiment qui mérite d'être connu sous cet angle. Je vous remercie, monsieur. Avant une fois de plus. Donc, je ne sais pas si j'ai l'intérêt à dire quelques mots par rapport aux questions posées par ça serait des scolpations. Non, je termine parce qu'il n'avait pas des opinions. Je n'ai pas entendu le soi-disant représentant historique. Il est commis. Du moment qu'on a révolu ce titre, Oui, le problème de nos enfants en prison est un problème douloureux. Dans le sens où la première responsabilité, c'est nous, d'abord, parents, l'éducation qu'on est en mesure de donner à nos enfants, le cadre dans lequel on les élève, et surtout des fois les moyens que nous n'avons pas pour les aider. Et c'est ce qui les amène de faire sur le vrai chemin. Alors, qu'est-ce qu'une ambassade peut faire? La plupart de ces enfants-là sont de nationalité française. Les familles n'ont jamais contacté pour dire un enfant qui a commis un délit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et je vais vous dire une réponse très claire. Les lois françaises sont telles que tout ce que je peux faire pour une famille, c'est d'aider à part d'un avocat. Je ne peux pas m'interpeller, je ne peux rien faire quelque chose contre les lois françaises si un délit a été commis. Et si les parents qui sont guinéens demandent une assistance, même s'ils n'ont pas de budget, nous ferons en sorte de l'entourer. Mais c'est un problème qui est, monsieur Pache, celui qui fait des cours religieux, d'islam, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, on vous encourage. Et si vous pensez qu'on peut vous aider, dites-le nous.
la nuit me parle gracieusement à la disposition, je mets dans la salle aussi à votre disposition. Vous étiez à rentrer en contact avec ces familles qui sont des fois désespérées, qui n'arrivent pas à expliquer aux enfants le sens de la religion et qui des fois se laissent embrigader par les jeunes arabes simplement parce qu'ils parlent arabe. Donc si on peut vous aider à donner le contact des familles qui sont dans ce genre de besoin, ce sera avec plaisir. Quant au décès, le transfert avec quoi au pays? Il y a deux aspects. Le premier aspect, ce que je vais vous dire, c'est choquant quand on perd quelqu'un. Mais c'est une expérience personnelle vécue. Quand vous envoyez un corps ici, c'est un problème pour les familles là-bas quand elles n'ont pas les moyens de s'en occuper. Le musulman, là où il meurt, c'est là où il va être enterré. L'argent qu'on met dans le transfert des corps, si on donnait ça à la famille, ça les arrangerait mieux que d'avoir à pleurer une deuxième fois, parce qu'on pleure deux fois. Le jour où vous apprenez la mort et le jour où le corps arrive. Donc, si c'est devenu une mode d'envoyer le corps, il y a des gens qui n'ont même plus d'attache dans leur village. Donc, on va demander à des pauvres familles de transporter ces corps-là de Conakry à un village ou de s'occuper des différents sacrifices. Chacun croit qu'il faut tirer un peu quand quelqu'un meurt. La religion est beaucoup plus simple que ça. Le dernier élément que je peux vous donner, c'est qu'on conseille, et la sagesse peut nous aider à ça, pour les familles de prendre une assurance décès. Ça existe. Et si c'est là, et pour le transfert de corps, ça facilite je pense, la tâche à tout le monde. C'est ça, c'est douloureux, mais il faut qu'on regarde les choses en face, c'est ça, c'est compliqué. Et dans ce cadre-là aussi, je vous signale que nous avons, la police française a retrouvé le 24 juin, le corps d'un de nos compatriotes dans le canal de l'Ouest. Si quelqu'un peut nous aider à identifier pour qu'on rentre en contact avec la famille, parce que nous sommes en contact avec la police, pour essayer de faire, parce que nous avons jusqu'au 24 juillet. Si il n'y a pas de manifestation le 24 juillet, il sera considéré comme un inconditionnalisé. Il va être enterré sans aucune formalité. Donc si vous pouvez nous aider à identifier la famille, à vous aider, parce qu'on n'arrive pas, on n'a aucun moyen à part ce cas. Il était en situation irrégulière, il a fait 50 de séjour, sa carte Navigo, et les conditions dans lesquelles ça s'est passé sont assez bizarres, parce qu'il s'est déshabillé, les gens qui l'ont vu, plongé, et quand ils sont tombés, qu'ils se noyaient, pensaient qu'ils se baignaient. Bon, c'est ce qui est très rare dans le canal, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, et c'est assez... pour le moment, ils n'ont pas accès à l'appartement, donc c'est les seules informations qui sont celles-là. Mais si vous pouvez en avoir, ça nous aiderait beaucoup. Merci, M. le Président. Merci à vous. Merci, merci à toutes et à tous. Merci à Son Excellence d'avoir accepté le cadre d'échange du corps PSG, comme vous savez. Et puis je remercie les doyens qui nous font toujours le plaisir d'être là. Le doyen Boukati, le doyen Emmanuel, le doyen Souma, le doyen Kabar qui est là, le doyen Député, j'espère que j'en oublie pas. En tout cas, merci, merci à vous tous d'être venus. Et donc. Voilà.